Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit retour de course et une petite surprise pour les WW de mon groupe Facebook WW Bleu Recettes et Astuces. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, il y a une petite surprise. Alors on va commencer par les surgelés comme d'habitude. Bon là j'ai fait un plus gros plein parce que bon je suis seule, donc pour moi c'est un plein, c'est un gros plein. Voilà, bon, on va commencer par les surgelés. Donc, j'ai pris deux paquets de framboises. J'ai pris du chou-fleur comme ça en fleurette. J'en avais acheté un pour le batch cooking. Je ne sais pas si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous le mettrai dans le petit i. Je m'étais fait un gratin de chou-fleur, je me suis régalée, j'en avais encore envie. Donc, je vais m'en refaire. J'ai pris, alors ça c'est pour la soupe, toujours des haricots plats, des courgettes et des carottes. Voilà, en sachant que il me restait des poireaux, il me restait 2-3 bricoles dans le congélateur que j'ai pas mal vidé d'ailleurs. Je suis allée au bout, ça faisait au moins 3 semaines que j'étais pas allée faire les courses, je pense, 3 semaines. Voilà, 3 semaines. Et en plus, mercredi dernier, je n'ai pas pu aller sur le marché parce qu'il y avait un mistral énorme. Je ne pouvais pas sortir. Le mistral arrache les arbres. Alors imaginez, marcher dehors dans le mistral, c'est assez périlleux. Donc j'ai pris quelques fruits et légumes à netto. Voilà. J'ai pris aussi des choux de Bruxelles et des brocolis. Alors voilà pour les surgelés. Je range tout ça et on se retrouve tout de suite. Voilà, le surgelé est rangé, donc je vous fais les produits frais et les fruits et légumes. Alors, en fruits et légumes, j'ai pris une butternut, ça c'est un régal. J'ai pris 4 pommes, ça c'est pour des recettes pour mes vidéos une journée dans mon assiette. Pareil pour les poires, j'en ai pris 4. Alors elles sont un peu, par rapport au marché, voilà, elles sont un peu abîmées. Et en plus, c'est pas le même prix. J'ai pris des bananes, une orange, j'en ai pris qu'une parce que c'est pour une recette aussi, pour une journée dans mon assiette. Et je ne mange pas énormément d'oranges, alors donc voilà, j'en ai pris qu'une seule. Un filet de tomates, toujours pareil, pour faire cuire, pour mettre dans les poêlés. Des champignons frais, ça aussi, ça sera pour une recette que je prévois en vidéo. Si je mettais à l'endroit, ça serait mieux. Des aiguillettes de poulet. J'ai pris du boursin. J'ai pas pu trouver des carrés frais parce que je suis allée qu'à Netto. Confinement oblige, je sors le moins possible. Donc je suis pas allée à Intermarché, je suis allée qu'à Netto. Et il n'avait que ça. Alors bon, c'est toujours un petit peu plus calorique, mais tant pis. Pas trop le choix, on fait avec ce qu'on a. J'ai repris des petites tomates cerises. Des dés de poulet comme ça, des yaourts, des allumettes de bacon fumé, et j'ai pris 2 paquets de gnocchi comme ça. Ça fait très très longtemps que je n'en ai pas mangé et ben, je vais me régaler. Voilà, alors, donc ça c'est fait, je range et je vous montre la suite. C'est parti pour la suite. Alors mes incontournables: compote pomme banane sans sucre ajouté, c'est flou, voilà, comme ça. J'ai pris 3 petits pains comme ceci. Ça aussi, je vais congeler parce que je n'en mange pas énormément, mais je les ai pris parce qu'ils sentaient tellement bon. J'ai pris des œufs comme ça. Alors ça, ça ne sentait pas bon, mais je sais que c'est bon. J'ai pris des spéculoos comme ça, j'adore. J'étais allée au bout de mes conserves, alors j'ai repris des petits pois carottes, flageolets, haricots verts, j'adore faire des tours comme ça, re-petits pois, et lentilles, c'est tout, ça m'étonne, ouais, c'est ça, voilà, jolie ma tour, et des champignons, comme ça, j'arrivais pas à voir le devant, là. Des champignons comme ça émincés, les champignons de Paris. Alors, encore les compotes qui traînent. J'ai repris de l'arôme d'amande amère. Je vais y arriver. Ah non, il y a encore des boîtes. J'ai encore des boîtes là.
Il me semblait bien. Je vais pas mettre sur les autres, je vais pas faire tout tomber. Alors, des flageolets et des lentilles. Donc, je vous disais, j'ai repris de l'arôme d'amande amère pour les petits gâteaux. Des bons petits gâteaux. J'ai fait des bons... Si vous allez voir mes vidéos, vous trouverez la recette de ce gâteau-là. Il est magnifique. Ensuite, j'ai pris de la semoule pour couscous. Ça, c'est pour faire des bol cakes et d'autres choses, bien sûr. Donc, ça, mes compotes, on est déjà passé par là. Et j'ai pris du vin blanc comme ça pour cuisiner. Ça aussi, c'est pour une recette, pour une vidéo, une journée dans mon assiette. Eh bien, voilà. Hein, je crois que je vous ai tout montré. Maintenant, je vais montrer la petite surprise que je réserve au groupe. Allez, j'en dis pas plus, je vous montre ça tout de suite. Allez, go, on se retrouve dans mon salon où tous mes calendriers m'attendent. Ils vont commencer à prendre la poussière. Voilà, alors ce matin, j'ai reçu un petit colis que j'ai commandé. J'ai fait une petite commande et c'est pour faire plaisir à mon groupe Facebook. Et voilà, pour mes 2000 abonnés aussi. Là, il faut marquer le coup pour les 2000 abonnés. Voilà, alors je vous montre vite fait, mais je ne dis pas tout sur cette vidéo-là. Vous aurez une vidéo spéciale pour bien vous expliquer tout ça. Je soulève. Allez, j'en ai assez montré. Non, ça je suis cruelle, hein. Hop, et là, ici. On voit rien. Ici. Ah, là, vous avez assez vu. Voilà. Vous avez trop vu. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez compris ce qui vous attend pour le mois de décembre, mais un bon concours se prépare. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment, surtout pour le concours. Abonnez-vous, il faut être abonné à ma chaîne. Et me laisser plein de likes et des petits commentaires pour faire avancer ma chaîne et ça me fait tellement plaisir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye!